Pour nous, le Forum de Giverny, c'est véritablement un rendez-vous incontournable pour les entreprises qui ont à cœur de poursuivre cet engagement sociétal et environnemental et de travailler surtout avec d'autres sur des solutions. AXA, depuis très longtemps, développe une politique, une stratégie environnementale et aussi sociétale et l'a toujours fait en travaillant avec d'autres. Donc cette dimension collective sur la recherche de solutions nous paraît très importante et elle est extrêmement présente et portée par les partenaires et par le cercle de Giverny ici. On voit dans nos entreprises depuis plusieurs années maintenant, et c'est à saluer, un engagement croissant et une très forte concentration sur l'objectif de la décarbonation. Et on a tendance à oublier qu'il y en a un deuxième, et c'est un deuxième axe totalement interdépendant, qui est celui de la préservation de nos écosystèmes. Et c'est là où intervient ce concept de nature, qui effectivement est très large, qui éveille aussi une sensibilité chez chacun d'entre nous. Et c'est très important de travailler sur ce lien à la nature que peuvent avoir nos entreprises et aussi nos collaborateurs. Et donc parmi les propositions élaborées par le Cercle de Giverny sur la nature, celle que je souhaiterais retenir, c'est vraiment celle de la formation et de la sensibilisation des collaborateurs. Nous n'y arriverons pas si nos équipes, le management des entreprises et les conseils d'administration ne sont pas mieux sensibilisés et formés aux enjeux de la nature et des écosystèmes.